Bon, ça y est, on décolle, les amis. Bon, ben, je viens de la prendre, du coup. C'est une tuerie. Franchement, c'est une dinguerie, vous allez voir. Elle est juste ouf. Et Quentin a eu la gueule. Donc, du coup, je pense que vous allez kiffer. Elle est tue. Je vous laisse regarder la vidéo. Donc, du coup, vous vous doutez sans doute de la moto que ça peut être. Eh ben non. Je vais vous montrer tout de suite, je vais vous donner un indice. Regardez, après, on repart depuis le début. Bend the gum, not your soul. Gavin Moto. Bon, ça y est, les gars, on part chercher la moto. Donc, je suis avec Quentin du Rad Life. Et donc, ça y est, c'est parti. On a à peu près 6 heures de route. On part jusqu'à Marseille. Donc, il est minuit 30. Bon, normalement, je suis censé récupérer la moto vers 7h30 par là. De toute façon, maintenant, je vous dis juste bonne vidéo. Suivez bien le trafic. Bon, ça y est, on repart direction Marseille et la prochaine aire d'autoroute qui sera. En fait, on sait pas parce qu'on sait même pas où on était déjà. Et en fait, on est à Agen là. Donc, du coup, ça va, il nous reste genre 4h30 de route par là, sûrement. Donc, bon, ça va, ça passe. C'est Robinson Crusoe, mon gars. J'ai senti la hache de guerre. T'es fluo dans la vidéo, c'est vrai. Ouais. Bon, pause numéro 2, les gars. On a échangé de conducteur parce que Quentin il commence à s'endormir. Il le dit pas, mais je le vois. Non, je plaisante. Du coup, on part direction Montpellier. On part à Montpellier. On est à Toulouse là. Et là, maintenant, direction Montpellier. Bon, ça y est, on est arrivé à Montpellier. Il nous reste 1h57 à rouler et il est 5h. On est démonté et Quentin il a même pas voulu montrer sa tête tellement qu'il est mort. Bon, on va faire une petite pause café, on va faire le plein et puis on repart. Bon, Quentin il va faire un cambriolage, il est pas content. Les barrières elles sont fermées, on peut pas les manger. Du coup, on est obligé de reprendre un café. Une gourmandise, t'en veux une gourmandise toi? On va branler de ta gourmandise. Bon, il nous reste 2 heures de route. Et je pense qu'on devrait arriver entier. On a un problème. On va mettre de l'essence, mais il n'y a personne. On appuie sur la sonnette. Ah, oh, c'est bon. Oh, mais il y a ma coupe qui arrive. C'est la coupe, Quentin. Elle a pas mis le charron. Oh là là, mais ça a guimé ça. Allez, on repart. Ronde de 18. Direction Marseille. Normalement on arrive d'ici... Minute au café. D'ici une heure et quelques. Le café il est sur le toit. Ah. Ok, le mec il est fatigué. Bon allez, on est bientôt arrivé. On va bientôt récupérer la brêle. Ça y est, on est arrivé près de Marseille. Dernière pause avant d'aller chercher la moto. Du coup il est 6h30. Ça va, j'ai un bon pilote avec moi parce que moi j'ai dormi là du coup comme un gros. Et donc voilà, on va prendre une petite pause, on va retourner pisser acte 3. Bon Quentin, c'est moi les spéculos. Allez, ça y est,
On part chercher la brêle, les gars. Donc on vient de prendre la petite pause là qui fait du bien. Et puis là, ça y est, on décolle. On va chercher la petite moto. Vous allez voir ce que c'est. Qu'est-ce qu'elle fait, ma chérie? Qu'est-ce qu'elle fait, ma chérie, là-bas? Toi, t'as beaucoup de chérie, là. Bon, ça y est, les gars, je suis sur la petite moto en train de l'essayer. Bon, je vais la prendre, c'est une tuerie, les gars, c'est un truc de malade. Franchement, c'est un truc de fou. C'est vraiment abusé. Putain, les gars, c'est une tuerie, une dinguerie, le bordel. C'est un truc de malade. Oh là 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 là. Je surkiffe, putain. Je surkiffe sa grand-mère. C'est une tuerie. Elle est top. Ah ouais, ça va, ouais. Ah mais je suis bien, hein. Bien. Abusé, gros. Ah ouais, franchement, elle tue. Elle est top. Bon, on fait la pression des pneus parce que le Quentin il l'a pas faite. Du coup on est à plat. Alors Quentin, c'est sympa ou pas? Ah, je kiffe. Bon, on a fait une petite pause aux chiottes et là on repart direction Bordeaux. On est à 500 km je crois. Ouais, bon, et voilà, du coup la moto ça va, elle bouge pas, c'est cool. Et il me tarde de vous montrer ça sur la route. Bon, ça y est, on est de retour sur Bordeaux, donc du coup on va au concessionnaire de Ducati pour le bridage. Donc voilà, du coup vous avez vu au final un peu ce qui s'est passé aujourd'hui dans la journée, dans la grosse journée même, vu qu'on est parti à minuit. Donc au final on a fait combien de kilomètres? 1300. On a fait 1300 km en très très peu de temps, parce qu'on l'a fait en 12 heures en fait, donc du coup on est un peu claqué. Mais bon, ça valait le coup, il y a la petite moto qui est derrière, juste derrière. Et donc voilà, donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à laisser de petits pouces et surtout à vous abonner. Je vous dis à plus tard, les gars, bye bye. Bon ben voilà les gars, comme vous pouvez le voir, ça y est, j'ai ma petite moto. Enfin je vais pouvoir reprendre une petite vidéo. Donc voilà, c'est... Ah mais ta gueule avec ta musique toi. Donc c'est un Ducati Hyper Motard 821. C'est le modèle SP que j'ai fait brider du coup chez le concessionnaire Ducati à Bordeaux. Donc du coup, ben, franchement les gars, c'est une dinguerie. C'est vraiment un truc de barjo. C'est un truc de malade. Vraiment. Donc franchement, je vous dis, j'ai essayé tout à l'heure. Elle était débridée. Là maintenant qu'elle est bridée, bon voilà, elle est bridée. Mais putain, elle marche quand même du feu de Dieu. Dès qu'on ouvre, ça monte au compteur. Putain, c'est une dinguerie, je vous jure. Oh là 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 là. C'est à qui ça? C'est à qui ça? Comme vous avez pu le voir, j'ai plus trop de voix. Parce que du coup, on a fait l'aller-retour en un jour. Donc, les gars, j'habite à Bordeaux. On est parti le chercher à Marseille. Donc, autant vous dire qu'en une journée, sans dormir, ça fait beaucoup de route. En gros, on a fait plus de 1200, 1300 km en une journée. Et franchement, c'était hard de chez hard. Donc là, on est arrivé vers 16h. Je suis allé la faire brider vers 16h. Et franchement, là, maintenant, c'est que du bonheur depuis le temps que je l'attendais. Regardez-moi ce compteur, franchement. C'est pas une tuerie. Oh, elle est magnifique. Je suis tellement content, si vous saviez. En plus, j'ai eu la chance de la trouver toute d'origine. Donc j'ai rien de... qui
a été rajouté en fait. Tout est d'origine. Donc dessus, il y a l'amortisseur Ohlins. Donc qui est une tuerie, franchement. Un truc de malade, je sens rien. Je suis tellement bien sur la selle. Donc j'ai l'amortisseur Ohlins. J'ai la fourche Machari ou je sais pas quoi, Machazo. Je connais pas trop moi. Mais voilà, j'ai une putain de fourche avant. Qui claque. Franchement, quand vous freinez, elle s'enfonce, un truc de malade. Et quand vous tournez, la grippe, le sol, c'est un truc de fou. Vraiment, c'est un truc de barge. Donc du coup, c'est vraiment une tuerie. Je suis hyper content de pouvoir vous rouler de nouveau et vous faire de nouvelles vidéos. Là, on a prévu plein de trucs avec le club. Il me tarde tellement de vous montrer tout ça, ça va être génial. Et donc voilà, franchement, je suis hyper content, les gars. Ça me rend hyper joyeux, un truc de malade. Et puis surtout, ben voilà, j'ai fait beaucoup de routes. J'espérais arriver à Marseille avec une belle moto devant moi. Et au final, le vendeur ne m'a pas menti. Elle était vraiment géniale, en super état. Et franchement, je le remercie parce que une moto comme ça, dans un état comme ça, c'est juste... voilà. Je suis arrivé devant, j'avais juste envie de lui dire, bon, allez, c'est bon, j'essaye même pas, on signe et je me barre. Mais je l'ai quand même essayé. Mais voilà, franchement... Comment vous expliquer? Je sais même pas comment vous expliquer, c'est juste un truc de malade, c'est ouf, c'est voilà, c'est une moto que j'aurais pas pensé prendre il y a quelques mois. Et au final, voilà, les choses de la vie font que certaines choses changent. Et grâce à ça, j'ai pu me la prendre. Et franchement, je suis super heureux. Je suis vraiment super heureux. Donc du coup, ça promet pour de prochaines vidéos des trucs magnifiques. Donc j'espère que ça vous aura vraiment plu. De ce petit voyage avec nous, sachez qu'on en a vraiment chié quand même pour tout faire dans la journée, vraiment vraiment c'était chaud, mais bon voilà, quand je vois le résultat, ça me fait super plaisir. Et surtout merci à Quentin de m'avoir fourni la voiture, de m'avoir fourni la remorque, et surtout d'être venu avec moi et d'avoir copiloté avec moi. C'était vraiment génial parce que moi j'étais un peu dans la merde, je savais pas trop comment aller la chercher cette moto, parce que les locations de remorque ça coûte super cher pour rien. Et donc du coup j'étais vraiment hyper content. Donc merci à toi Quentin, merci à toi mon pote. Et du coup à très vite pour de nouvelles vidéos avec le Radlife les gars. Je vous dis à bientôt, bye bye. Burn the gum, not your soul. Gavin Moto.